Bonsoir. Eh, ça y est, me revoilà, me revoili, me revoilo. Ouais, bon, la fin de semaine a été un petit peu compliquée, le début de semaine. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué aussi. Hein, on fait pas toujours ce qu'on veut. Eh non. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Bah, j'ai reçu, je pense, une carte. Je vais vous faire voir la jolie enveloppe. J'ai reçu une très jolie enveloppe. Alors, je l'ai reçue. Je sais plus si je l'ai eu vendredi ou samedi. Mais voilà, je pouvais pas faire de vidéo. Donc, voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Ça me vient de Maryse Doudoune Salmon. Donc, j'ouvre l'enveloppe et on va regarder ensemble. Ensemble ou ensemble? Ensemble. Ensemble. Alors, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Waouh. Oh, bah, elle est belle la carte. Oh, magnifique. Une magnifique carte de vœux. Meilleurs vœux. Alors, c'est du papier blanc. Ensuite, elle est venue mater avec un papier pailleté doré, sur lesquels elle a mis trois bandes de papier rouge. C'est des poinsettias, les papiers. Elle a refait un rectangle ici. Il est trop beau. Avec du joli papier, meilleurs vœux. Comme ceci. Alors, est-ce que c'est embossé? Non, je pense pas que ça soit embossé. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et j'aime bien ton étiquette. C'est très belle étiquette comme ça. Et donc les feuillages de poinsettias. Donc je vais lire son petit mot. Eh oui. Je cherche les débuts. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, je t'offre moi aussi tous mes voeux, hein, de bonnes et heureuses années, avec surtout la santé, plein de bonheur, de joie aussi pour toi et Alain. Et ben, je te fais plein de scrap bisous, voilà. Scrap bisous Marie-Noël. Donc c'est Maryse Doudoune Salmon sa chaîne. Je vous mettrai en arrobase. En hashtag, en arrobase, en je sais pas comment on dit. Donc voilà, et puis je vais. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis pas restée tout le week-end à rien faire, bah non, quand même pas, non. Alors je suis en train de faire un prototype d'un album. Donc le prochain album que je ferai, je le ferai, je tournerai des vidéos. Donc vous aurez le prochain. Celui-là, je ne tourne pas des vidéos parce que c'est vraiment un prototype. J'essaye un autre système pour mettre les pages et tout ça. Donc je vais vous montrer où j'en suis parce qu'il n'est pas fini. Donc voilà la première, la couverture. Donc c'est pas terminé, hein. Là, le dos qui fait 7 cm, le dos. Et puis à l'arrière, c'est comme ça. Donc ça, c'est un prototype. Je suis en train de m'entraîner. Donc j'ai fait l'intérieur de la couverture ici et j'ai fait une page. Donc là, il faut que je mette une petite cordelette. Je suis rendue à cette page-là. Je crois. Moi, j'ai presque fini celle-là. J'ai presque fini celle-là. Et en tout, j'ai 5 pages. Alors, c'est des pages en L. Mais le mieux, c'est que je le referai en tuto, un petit peu plus grand parce que j'ai reçu mes papiers. Ça sera dans une autre vidéo. J'ai reçu les papiers pour le faire pour une dame. Alors j'ai plein d'albums, hein, je sais, je vais essayer de suivre le rythme.
là, si je termine pas celui-là, mon prototype, si je termine pas tout de suite, c'est pas trop grave, puisque je vais le garder pour moi. J'attends encore une commande de chez Craftelier, j'en ai reçu une, j'en ai une deuxième qui devrait arriver dans la semaine, et je vais pouvoir donc me lancer dans l'album que j'ai eu envie de faire pour une dame qui va prendre 100 ans cette année. Donc 100 ans, c'est pas rien. Une dame du club. Donc moi, je suis la plus jeune. Et cette dame-là va bientôt avoir... Enfin, au mois d'avril, quoi. Donc au club, on a décidé de faire quelque chose. Et puis moi, je me suis dit, bah, c'est bien d'y offrir des fleurs. Mais les fleurs, un coup qu'elles sont fanées, bah, elle n'a plus rien. Alors ma petite tête, elle l'a cogité. Puis j'ai eu envie de faire un album photo. Donc je vais le faire, je filmerai. Le temps de faire les films, de les monter, tout ça. Bah vous verrez bien, hein, vous aurez un album. Vous aurez dans quelques semaines, j'appelle pas ça un tuto parce que c'est pas vraiment... J'explique pas assez bien pour que j'appelle ça des tutos. Je pense, c'est mon avis personnel. Donc voilà, donc vous verrez bien, il y aura certainement des vidéos. Donc je sais maintenant, j'ai vu comment fallait faire, j'ai compris la technique, donc maintenant je vais recouper des cartonnettes et puis je vais me lancer. Mais vous verrez ça plus tard. Donc là, ben, c'était juste une petite vidéo pour aujourd'hui. Demain, vous aurez donc le colis. Je vous montrerai donc ce que j'ai acheté pour faire l'album pour les 100 ans. Et vous verrez ça demain parce que là, je vais tourner ma vidéo là ce soir. Mais vous ne l'aurez que demain. Celle-ci, je vais vous la mettre ce soir. Donc voilà, ben, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que bah, chez vous il fait pas trop froid ici, ça gèle le matin, hein, moins 2, moins 3, sinon on a un beau soleil, mais c'est froid. Donc bah, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Scrap bisous les copains et copines, à bientôt.